Allez, on est reparti sur Half-Life, oh, toute fin du jeu, hein. C'est du chaotique là. Alors pour info, je vous le redis, hein, sur le petit jeu des emotes, c'est que les emotes de la chaîne, que ce soit Franker Fazy ou les emotes d'abonnés. Mais voilà, c'est uniquement les emotes de la chaîne qui fonctionnent. Merci Totox pour ton sub, bienvenue! Des bisous. Plein. On est déjà à la fin. C'est déjà la fin là? J'ai l'air d'être à la fin de la prison. Et aussi les emotes générales de Twitch, oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai du mal à me rappeler ce qui reste encore du jeu, pour être honnête. Corrélation quantique. L'avant-dernier chapitre, bien sûr. Half-Life? Oh oui, c'est. Tu peux le faire les yeux fermés. Alors le 1 a franchement vieilli. Mais alors le 2, tu peux te jeter dessus, hein. De détention. Ça va être dur de le sortir de là. Sortons d'ici. Je la retrouve tellement au pif, Alix. Ici. Parfois un Vortigant est capturé et envoie des infos, mais on ne sait pas vraiment à quoi ressemble l'endroit. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Préparez-vous. Oui, après le 1 a un vieilli, mais ça reste un. C'est un jeu qui est au panthéon du jeu vidéo pour moi, Half-Life. Pour ce qu'il a amené. Ok, par ici. Les idées de mise en scène, tout ça. De sécurité. Maintenant, trouvez mon père. Oh mon Dieu. Ces pauvres gens. Là! Ok, je pense pouvoir le ramener.
Là, il est en chemin. Rejoignons-le. Oui, j'arrive. J'espère que vous n'entendez pas trop. Ha, voilà. Suivez-moi. Je pense commencer quand les portales? Mardi. Lundi, je suis pas là. Lundi, je suis pas là, je peux pas streamer, je suis pris toute la journée pour un truc assez gros, si je me permets de ne pas faire le marathon une journée. Allez. En fait, je pense vraiment que... Si vous avez un certain âge aujourd'hui, je pense que c'est le 1 qui vous a émerveillé. Et si vous êtes un peu plus jeune, c'est le 2. Et les vieux, généralement, c'est le 1 et le 2. Choisis d'ouvrir ça. Alex, Gordon, c'est vraiment vous. Vous m'avez retrouvé. Papa, ça va? Moi, ça va, mais vous, vous devez sortir d'ici. On va te sortir de là, papa. Ne vous en faites pas pour moi. Sauvez-vous. Non, on ne te laisse pas. Je peux peut-être recalibrer le portail du cartel pour sortir d'ici. Mais tu iras of course, où? Spitzer, j'ai parlé au Dr. Kleiner. Son portail refonctionnait presque. S'il a réussi à le réparer, on arrivera là-bas. Si ce n'est pas le cas, ça peut pas être pire. Ça n'en vaut pas la peine, Alix. Je ne veux pas te perdre. Sauve-toi tant que tu peux. On ne part pas sans toi. Un point, c'est tout. On ne peut pas laisser Judith non plus. T'inquiète pas, papa. La doubleuse d'Alix, elle est de temps en temps hors ton. Ouais. Je voudrais que tu ailles au téléporteur. Ce n'est pas un adieu, papa. On se retrouve là-bas. Je n'en doute pas. On se voit là-bas, ma chérie. De temps en temps. Sortons d'ici. Ok. Par ici. Je peux pas te dire, Dutch, j'attends que Black Mesa soit terminé. Je me connecte à la radio de votre combi. Attendez que je vous contacte. À 100% pour le faire. J'ai jamais touché. Sortir, mais petit rappel, hein, n'hésitez pas, point d'exclamation PS4, profitez. Il y a une petite PS4 slim, désolé, mais collector a gagné. Après le bot il les renvoie au MP, c'est pas grave. Attention Gordon, je
Je te conseillerais la suite, sachant que t'as grandi chez Sega. Bon, aujourd'hui, si t'attends la prochaine console Sega, t'as le temps, je pense. Mais enfin, la question, c'est est-ce que t'aimes les licences Nintendo, quoi? Je vais me concentrer sur cette porte. Une seconde. Ok. Mais oui, la Switch est une bonne console. Aujourd'hui, avec beaucoup de jeux. Bon, si t'aimes la Jeter 4-4, un œil à l'écran. Uniquement pour Mario Maker 2. Ouais, maintenant je l'avais acheté pour Breath of the Wild pour vous faire. Bah, pour faire que vu que j'avais fait tous les Zelda en live. Activation de réserve. Mais j'aime bien Mario Maker. Le 2 là, ça va. En plus, il y a plein de. Tu sais, le jeu est nouveau. Il y a plein de. Il y a plein de nouveaux. De nouveaux niveaux intéressants. C'est quoi ces 1660 en termes de carte graphique? C'est simple, tu joues. Si tu joues en 1080p, tu prends la 1660, c'est l'architecture d'une RTX, mais sans le RTX. Et aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix si tu as un écran qui va pas au-dessus de 1080p. Tu as pris un PC à 1000 € et à 3 Mac, un Ryzen 2006, une GTX, ouais, 1660 Ti, je vais tout tourner en ultra 1080p 60. Non, mais la 1660 Ti, voilà. C'est. En 1080p, y a pas à réfléchir, c'est celle-là. Si jamais vous streamez un peu, ce qu'il faut vous dire, c'est que les 1660 ont la même architecture NVENC que les séries 20. Donc amélioration de qualité, tout ça. ça. Semble toujours habité.
Salut Ravioli. Vite, fouillez la pièce. Il devrait y avoir des tourelles du cartel. Je peux les reprogrammer pour qu'elles attaquent l'ennemi. Orientez-les pour défendre la salle de contrôle. Avertissement. Avancée interface virale hostile détectée. Reprogrammation noyau polyphasique détectée. Les stérilisateurs et les champs d'encerclement peuvent être compromis. Avertissement. Interface virale hostile. Je ne peux pas éteindre ces champs à partir d'ici. Je dois vous rejoindre pour y accéder. Je détecte un grand nombre de soldats. Tenez bon jusqu'à mon arrivée. Vous m'aimez ou faut encore chez Intel. Aujourd'hui, là, si aujourd'hui tu te refais un PC, tu prends les Ryzen série 3000. Ou le mieux pour ton budget, mais Ryzen série 3000 en termes de rapport qualité-prix aujourd'hui. Ça m'a pris tellement de temps. Je vois que ça a l'air d'aller. Cherchons le docteur Mossman. Apparemment, cette base me permet d'accéder plus facilement. La voilà. Une minute. Comment elle a... Non, peut-être la rame aussi. Fais gaffe. Je n'appelle pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous aviez promis de ne pas toucher à Ellie. Oh mon Dieu. Les soldats ont fait un excès de zèle, c'est vrai. Mais il était vraiment trop important pour qu'on le libère. Surtout en l'absence de Gordon Freeman. Vous auriez eu Freeman si vous aviez eu la patience d'attendre mon signal. Nous n'étions pas sûrs que vous arriveriez jusqu'ici. La loyauté des humains étant ce qu'elle est. Docteur! Comme je vous l'ai déjà dit, il faut qu'Ellie réalise lui-même que... Je l'avais cramé dès le début, elle. Elle avait un soupule. Je crois que vos sentiments pour lui vous aveuglent. Mes sentiments? Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Il est simplement évident que lorsqu'Ellie... Ce n'est pas la peine de discuter, docteur Mossman. Je vous en prie. Désolé, Judith, je n'ai plus le temps. Mais comment elle a pu faire ça? Allez, Gordon, il faut vraiment y aller. Continuez, je sabote le prochain niveau de sécurité et je vous rejoins après. Ok. Attends. Ok. J'ai juste dit ok, mais j'ai l'assistant Google qui s'est lancé à côté.
Et vu qu'il se lance un peu de manière random, j'essaye de comprendre ce qu'il déclenche. Ok. L'air d'un con. Bon, il faut que je le désactive l'assistant en fait, en plus je m'en sers jamais. Donc... truc électrique. C'est parti pour le fun. Fasse une passerelle de bidon. Oh oui. Oui, à la plateforme. Bah on approche de la fin, je pense, ouais. Aïe.
J'enchaîne avec l'épisode 1, épisode 2, et après Portal 1 et 2, et on aura terminé. Augmentation patrouille. Ah oui, c'est bien. J'ai en mémoire un passage assez chiant. Attention, je détecte d'autres soldats. Vérifiez s'il reste des tourelles dans le coin. Carnival Row, ça peut être clair, c'est génial, mais personne n'en parle. C'est quoi? C'est un jeu? Pareil qu'ils ont du budget Amazon, ouais. Je vous reprends sur le chat après ce passage. On a dû réveiller la ruche.
Gordon. Je vais m'arrêter ici, puis je vous rejoins. Je vais plus vite. Bonjour, Tommy. Ça a pris du temps, Gordon. Un peu d'aide ne vous aurait pas fait de mal. Je ne vous laisserai plus seul. Maintenant, retrouvons Mossman. $1 milliard pour 3 saisons. Eh ben... 300 millions par... 300 millions par... Allez. Par saison, 333 millions. On peut compter... Allez, moi je te dis 6 épisodes par saison. Oui, il m'a fallu du temps pour calculer. Ça fait quoi, du 500 000, un peu plus de $500 000 par épisode. Game of Thrones, c'était pas 1 million par épisode. Pardon, Gordon. $50 millions? Ah, j'ai oublié un zéro. Pardon. Bah oui. Je m'écoutais jamais quand je fais du calcul de tête. Hein. Ouais, 50 millions par épisode, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, 1, 2, 0, c'est pareil. Oh, je suis pas venu ici pour compter, moi, ok? Attention, unité au sol. Assignation extérieure permanente si la mission échoue. Rappel code. Sacrifié. Coagulé. Cool, une autre station de sécurité. Ok, Mossman, où êtes-vous? Salut Moonborner. À me manger à 15h. Je vous ai eu. Oh oh. Allez, venez Gordon. On va pas la faire attendre. Pardon. Bah 50 millions, c'est Derrick. Allez Gordon. Tu vois, Louis la Brocante, c'était 49 millions. La voilà. Laissez-moi lui parler, Gordon. On va peut-être devoir la faire sortir. Y'a quelqu'un? Oh, Dieu merci. Alix? Gordon? Mais comment vous êtes entrée? Nous savons tout sur vous et Brine. Quoi? Vous êtes une espionne du cartel depuis le début. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Bon sang! Reculez, Mossman, on rentre. Alix, quoi que vous pensiez, je vous assure que j'ai tout fait pour protéger votre père. Fermez-la et estimez-vous heureuse d'être encore utile. On va reconfigurer ce téléporteur et foutre le camp d'ici. Vous voyez, nous sommes du même côté. J'ai déjà programmé le modulateur pour émuler un relais Xen. Vous avez volé le travail de mon père. C'est aussi mon travail. Et j'ai dû prouver au docteur Brin que votre père serait irremplaçable pour tout projet de recherche qu'on pourrait développer ici. J'en ai ras-le-bol de vos conneries. Gordon, voilà mon père. Je vais le ramener. Vous avez trouvé Ellie? Pas grâce à vous. Entrez les coordonnées du labo du docteur Kleiner, puis on y va.
mais nous ne pouvons pas accéder à la plateforme de téléportation. Je m'en occupe. C'est vrai qu'elle est tout le temps hors tour. C'est vrai. Allons-y. J'en ai plus cassé de vos manigances. Attention. Je ne suis pas très très contente là, hein? Oh mon dieu. Vous avez travaillé sur ce truc? Pendant combien de temps? Jamais. Jusqu'à présent. Mais je savais à quoi m'en tenir. J'en suis sûre. On dirait qu'il n'attend que nous. Le cartel utilise un réseau à impulsion particulier, au temps de montée très long. Il faut du temps pour le charger. Ah, vous avez préparé le terrain. Ok. Juste à temps. Papa, par ici! Désolé, on a traîné. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Ne t'en fais pas pour moi, mon cœur. Judith, ils vous ont libéré alors? Pas tout à fait. Ellie! J'étais tellement inquiète pour vous. Les coordonnées, Dr. Mossman. Voici le portail du cartel. Plus petit que ce que je pensais. Vite, Mossman! Bon, on envoie d'abord mon père. Il est en position pour... Qu'est-ce que c'est? Attendez, il faut éteindre ça. Non, stop! Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée, Alix. On n'a pas le choix. Non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Alix? Je non! Dis, qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi cet écart de langage, mais... Quelle connasse! Docteur Kleiner, arrêtez-les! Arrêtez qui, très cher? Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ces coordonnées? Mais oui, qu'est-ce que c'est que ces coordonnées? Où sont-ils allés? Couvrez-moi, Gordon. Je dois redémarrer le portail. Je dois redémarrer le portail? Exagère un peu quand même. Il me semble que ça arrive dans le dos à un moment. Ah non, c'est là. Thank you.
quand vous voulez, les gars. Mais oui, bah le c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes comme ça à défendre en fin de jeu. Il y avait les Stormtroopers qui arrivaient. Tenez bon. De tenez bon. Pas du tout la fin du jeu là en fait. Dr. Kleiner, faites-nous sortir. Alix? Gordon? Ciel! Comment êtes-vous arrivé là? Et quand? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère, j'avais perdu tout espoir de vous revoir un jour. Je pensais qu'on n'y arriverait pas non plus. Le téléporteur a dû exploser quand on est passé. En effet. Et les répercussions ont été considérables, mais ça fait plus d'une semaine. Comment ça? J'étais là, avec Gordon, il y a une minute. Fascinant! On dirait qu'on a développé un téléporteur très lent. Cela ouvre une nouvelle piste d'investigation. Une semaine? Mais alors qu'est-ce qu'on a raté? Tant de choses, ma chère. Le coup porté à Nova Prospect a été perçu comme un appel au soulèvement. Et mon père alors? Eh bien... Le dernier, Chicharito, non. Il faudrait... À croire les Vortigaunt, il est détenu à la Citadelle. On doit faire sortir mon père. C'est avec cette idée en tête que Barney a attaqué. Et l'un de vos amis est arrivé il y a quelques jours. Chien, tu as réussi? Bon chien. Eh bien, oui, tout n'est pas perdu. J'aimerais être aussi optimiste, docteur. Eh oh, Doc, vous êtes là? J'ai pas envie de soupçonner tous les mugs chez moi. Oui, Barney, et je ne suis plus seul. Alix et Gordon viennent d'arriver. Voilà, première coffre. Bonne nouvelle. Je croyais que vous étiez perdu. On va choisir un point de rassemblement pour attaquer la citadelle. Gordon et Chien peuvent vous guider. Je vais mettre le docteur Kleiner en lieu sûr. Et je vous retrouverai. J'ai besoin de toute l'aide possible. Oh merde! Ils arrivent! Allez, plus vite! Ok, Gordon, vous avez entendu. Je vous rattrape dès que j'ai mis le Dr. Kleiner à l'abri. Juste un instant. Je ne peux pas partir sans la marque. Oh non! Où est-il passé? Allez-y, Gordon, je m'en occupe. Oui. Il doit être quelque part par là. On vous trouvera un autre crabe de tête. Il y en a plein par ici. Il n'y a qu'un seul. Salut Doc. Anti-citoyen. Ah oui, non, je crois que c'était la fin du jeu, mais pas du tout.
pas l'air très très content. C'est comme ça que la ville s'étend, c'est ça. Ça a un côté malsain dans... Bon, c'est voulu après, ouais. C'est dans une ville où les gens ont plus d'espèce de liberté. Mais en fait je monte mais y'a rien. Entre des couches d'argile et des tonnes de boue. Docteur Freeman, on vient avec vous. Grâce c'est Cité Freeman, 17 enfin pouvoir avancer. C'est ça? Je crois que c'est Cité 17 la ville. Le Valois. On doit se mettre, docteur Freeman. Envoyez une unité sur ce lieu, not bound. Ah. Ok, Doc, c'est vous le boss. On est avec vous, docteur Freeman. N'hésitez pas à nous faire signe. Oui, bah... J'essaye de capter où il faut aller. Ah putain, faut que ça s'ouvre là-bas, c'est ça? L'enfer. Les bonnes idées. La touche d'un attribué, mais tu vas voir, je vais pas en avoir besoin. Contre le cartel. Si vous arrivez à prendre ces mines sans les faire sauter, vous pourrez les poser où vous voulez. Pardon, Freeman. Décrape de tête.
les nouveaux-nés. J'ai pas besoin d'amis, moi. Ah! Pardon, Doc. Déjà l'épisode 1. Non, c'est toujours Half-Life 2. Non. Bah si. Il a en vol. Hein. Ah oui, Half-Life 2, ouais, c'est long, hein. Chargé, Dr. Freeman. Je sais même plus combien de temps il reste au jeu. Ça fait tellement longtemps que je les avais pas fait, les Half-Life. Vous dire ça, à quel point ça fait longtemps. J'avais même pas de temps joué sur Steam. C'était avant qu'ils sauvegardent les temps de jeu. C'est pour ça que je dis les succès en fait. Après, non, après je fais pas le 3, je fais le 4. Exactement. De rien. Excusez-moi. Ça. Oh, il y en aura toujours des blagues. C'est une des plus grosses arlésiennes du JV. Pardon, Doc. Pardon. Moi, je recharge.
Ça, il est fort d'être 3 aussi. Box, elles sont larges. Portal 3, on veut une suite parce qu'on aime bien, en fait. Tentez de moi de sub. Bisous. Ça doit pas être par là qu'il faut aller. Tellement de sub. Ah oh oui, continuez. Merci Joon. Bienvenue. On va fêter ça correctement. Avec quelques gorgées d'eau. Ah, vous me faites déjà vibrer, voyons. Vous savez bien. Allez, tout le monde! Oui.
Mec, il m'a vu rentrer. Commencer à me recharger, ce mec il a pas dû comprendre. Pardon Freeman. Docteur Freeman, je vous accompagne. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Pardon Doc. Cassez-vous. Ah, y'avait rien, c'est un piège. Tirage au sort le jour de ton anniv. Et le tirage au sort, c'est la fin du marathon. Comment tu peux savoir quel jour ce sera? C'est le lendemain. Oui, mais comme j'ai dit sur le tweet, ce sera comme je ne sais pas quel jour finit le marathon, c'est le lendemain de la fin du marathon. Donc la date est pas trop à prendre en compte en fait, c'est jusqu'à la fin du marathon. J'espère que l'ordinateur qui piochera saura prendre en compte ton anniversaire, on va dire ça. Docteur Freeman, le cartel a coupé notre tunnel en deux. Si vous nous rejoignez, on essaiera de passer leur avant-poste. Ça me rappelle un truc. Dit-on. Logique. Vous attendez quelqu'un ? Tant que j'ai 4 heures de live sur le stream, je peux pas. Voilà. Le jour où j'ai plus que ma chaîne perso, oui, ça reviendra. Et là, pour le moment... Toujours pas faire Red Dead Redemption 2 et je vais sûrement me le faire dans mon coin du coup en mode il va me falloir 8 mois pour le terminer. Ouvrez la porte! On dit
vie, s'il te plaît. V'là-les-là ! Il y en aura sur le stream, c'est sûr, mardi midi. Et vu ce que j'ai testé du jeu et qu'il a l'air bien cool, oui, oui, on en fera, ouais. Et j'essaierai de jouer avec vous. Toujours pas malade ? C'est cool. Toutes les deux heures, frère. Toutes les deux heures. Quand je suis en mode marathon comme ça, je suis sérieux. Quand je fais 14 heures de live comme hier, toutes les deux heures, une pause. J'ai rien fait, Tom. Jordan Freeman ! C'est bien vous ! Je pose des charpons et tout ça. Technique du W pour zoomer. Tu parles de ça là ? Ouais. Mais tu peux pas tirer après. Ouais, ils m'ont pas suivi au-delà de la prison, les Pokémon. De l'autre côté, docteur. Vous avez peut-être une solution ? Ah, t'aimes ça ? Ouais, ouais, j'ai une solution, ouais. Mais bon, je pense pas qu'elle va plaire. C'est pas beau là-dedans. La combi va être utile. Oh, le fun. Oh, la voiture cool. Jeu cool. Attention, menace radioactive détectée. Attention.
Et en plus, il y a les mecs qui se réveillent. Parfait. Attention, menace radioactive détectée. Attention, fonction vitale en diminution. Ça sent que je passe un bon moment ou pas là ? Ok, j'ai tapé le plafond. Ok. Système de soins. Injection de morphine. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Hey, c'est moi, ouvrez cette porte. Je vois que vous vous en êtes tiré, je m'en doutais. Ah ouais, je suis quand même vachement balèze. Tout le monde, on devrait pas se bouger un peu? Pardon. Je doute que cette guerre finisse un jour. Non, le planning, c'est je finis le live 2, je fais épisode 1, épisode 2, portal 1, portal 2.
me dis pas qu'il faut que je retraverse quand même. Portal Story Mail, c'est un mode? C'est un mode, non? Et si je commence à faire les modes, on n'a jamais terminé. Hein. Il y a un souci, non? Elle devrait être ouverte cette porte. Trousse de secours! Cimère. Pardon. Pardon, Doc. Là où j'ai ouvert, mais non, là je retourne en arrière. Qu'est-ce que j'ai loupé? What? Bon, j'ai trouvé le chemin. Je crois que j'ai pris le missile, c'est ça? Ouais, j'ai totalement pris le missile. Ce pas de bol. C'est plus le bon endroit. Ils sont en train de nous bombarder. Continue, Dr. Freeman. Je les préviens que vous arrivez et je vous rejoins. PNJ, non.
J'ai défendu Fortnite ce matin, Sylvain. J'ai perdu tous mes potes avec moi. Ok, venez. Ok. Je suis blessé. Comme ça? Il sort de où? Ce piège à con, quoi. Scandaleux. L'heure du café. Casse-toi. J'ai perdu toute ma vie là. 5 HP, je suis bien. Allez avec moi. On allait vous joindre, notre Freeman. Ah! Le 11e arrondissement de Paris.
Cindo. T'as 19 mois de seul. Ouais, la lumière. Ouais, il y a du soleil aujourd'hui, c'est chiant. Le jeu qui la kill. Est-ce que du coup vous avez envie que je vous montre une petite soirée tranquille? À vendredi, parfait, le jour où je suis pas là. On verra dimanche soir si je suis pas trop jetlagué de Londres. Je vous trouverai ici. Le docteur Kleiner est en sécurité. On peut rejoindre Barney. Il y a un centre de contrôle en bas. J'espère trouver des infos sur l'emplacement des générateurs. World Seeker, non, c'est un jeu de combat. Pardon, Freeman. Naruto d'IBZ plus un peu de Musso. Non, Musso, c'est à quelques épreuves, mais vraiment, non, c'est... Le combat après, c'est genre tout ce que vous avez déjà vu avec Naruto, les Ultimate Ninja Storm. C'est-à-dire les combats en arène. Tu fais carré, R1, carré ou triangle ou rond pour une super attaque. On a de la chance. Il y a un générateur dans le square. On essaie d'en désactiver un maximum pour affaiblir le cartel dans ce secteur. Quelques minutes et j'expose le noyau.
Après, tirez avec le pistolet antigravité. En attendant, couvrez-moi. Vous avez été génial, Dr. Freeman. En même temps, je plains leur assureur. Allons-y. Un square. Ah oui, un square. Vous savez pas ce que c'est, un square? Laissez-moi me décaler. Protection. Je vous en vue. Vite. Couvrez-moi. Dimitris, comment va? J'ai jamais fait le tir secondaire. Ah ouais, ça dans un couloir. Elle est vraiment pas terrible cette arme. Par là.
Le noyau est exposé. Le pistolet anti-gravité, Gordon. Ok, maintenant j'ouvre la porte. Mon dieu, il y a les tourelles de portail qui attaquent. La porte est ouverte. Allez, Gordon. Ok. Barney doit être de l'autre côté de ce... canal. Autrefois, il y avait un pont. J'essaie de trouver un autre chemin. Ah, attendez-moi. C'est moi ou on les a laissés de l'autre côté? Il faut qu'on trouve l'autre chemin. Car là... Oh, oh. Comédien et surtout comédien de doublage, c'est un métier, ok? C'est compliqué. Ça se trouve, c'était son premier boulot. On dirait qu'on peut traverser en contrebas. Allons par là. Ah non! Quoi, non? Sortons d'ici! Oui, sort-on d'ici. Il aurait fallu... Il faut un patch Donald Renew Half-Life 2 où il double toutes les voix du jeu avec des accents. Série audio Donald Renew.
Donald Renew raconte des histoires à tes enfants. Donald Renew chante Metallica en VF. Salut Kyle. Ah, ça pourrait être pas mal. Donald Renew chante Metallica en ASMR français. Je trouve que c'est pas mal. Prends deux secondes hein, pour agrandir un peu les épaules là, sont un peu tendues. Un petit manteau ça la monte. D'ailleurs, les manteaux, ça devrait pas être calamante. Genre un manteau au citron. Ça va pas s'appeler un citros. Je me perds un peu cet après-midi dans les débats. Donald Renew. Lis le manuel de ton micro-ondes en ASMR. FF, j'ai raté 7. Non, 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 j'en suis au 6. Jusque avec le gros bloc FF. Avec le gros bloc FF14, j'avais pas envie de me remettre tout de suite dans un FF. Je vais faire Crisis Core, oui. Il y aura aussi Dirge of Cerberus. Tu vois, si tu faisais, tu vois, pour la sortie de, tu sais, un peu avant la sortie d'FF7 Remake, il sort FF7 Classical Edition Remaster. Donc t'as le FF7 sur PS4 qui existe déjà, Crisis Core et Dirge of Cerberus qui tourne sur PS4, juste avec des résolutions rehaussées.
Et le jeu mobile. Ouais, alors après porter un jeu. Porter un jeu mobile sur PS4 peut être compliqué. J'avais fait d'ailleurs Jeff Cerberus, et ben moi non plus, mais je l'ai récupéré pour le faire. Ah, ce sera en stream. Dirge of Cerberus. On a le temps. Combien on est en temps? Oh, 10 petites minutes avant la pause. Café, moins 10 minutes. Il me semble même que peut-être avant le 7, il n'y a pas Tactics. Je les ai mis dans leur ordre de sortie, normalement. Avant ou après le 9? Ah, d'accord. Je le voyais beaucoup plus vieux que ça. Ah non, pas les Advance. On avait retrouvé Ellie, mais la pétasse en soupule s'est barrée avec. Et là, je suis revenu dans la ville une semaine après, et c'est la révolte. Bah ouais, c'est un saut de pull, quoi.
ça envoie quoi comme munitions dans... concrètement cette arme? Une barre de métal chauffée? Mais comment je la chauffe là? Mal ça. Elle est électrifiée. Bon. Ah oui, en bas, on voit le petit signe éclair. Ok, vendu. Ouais, une échelle, putain. Il y avait une caisse. Système de soins activé. Je vais bien. Je vais bien. Bardet a dit que vous arriviez. Les snipers nous ont séparés. Il est coincé dans un entrepôt pour moi. Allez-y, il compte sur vous. Il compte sur moi. Après vous, Freeman. Et après vous. Bon, et bah c'est parfait. Ça veut dire l'heure du café. Voilà. Donc on est à 2h, comme d'habitude, petite pause de quelques minutes, je vais me faire un petit café,
Et je reviens tout de suite. Partez pas trop loin et on continue ça.